Merci. Donc, je ne sais pas si tout le monde m'entend bien. Je vais essayer. Normalement, c'est bon. Allez, je démarre et je vais essayer de respecter un timing. Je me suis mis un petit chrono comme ça. Normalement, ça devrait le faire. Donc, très rapidement, je vais vous présenter le parc. Je ne suis pas sûr que tout le monde ici connaisse le parc marin. Je vais aller très vite. Par contre, si jamais vous avez des questions, vous viendrez me voir après et on reviendra dessus si jamais il y a eu besoin. Le parc marin, c'est une aire marine protégée qui fait 4 000 km², qui s'étend de la frontière espagnole jusqu'à Alicante. C'est une centaine de kilomètres de linéaire côtier, une partie côte rocheuse, une partie côte sableuse, qui fait une certaine spécificité. Il y a 12 communes sur le littoral du parc, pardon. Et en gros, ce que vous pouvez compter, c'est une vingtaine d'agents qui travaillent au parc. On est 6 chargés de mission permanents et il y a également 6 inspecteurs de l'environnement qui travaillent au parc marin. Voilà, c'était pour dresser très rapidement un petit peu la carte d'identité du parc. Notre métier s'organise autour de 3 grands objectifs de gestion. Donc la protection du milieu, des habitats et des espèces, en premier. La deuxième, c'est la connaissance du milieu marin, parce qu'on ne peut pas gérer ce qu'on ne connaît pas. Donc on avait un vrai besoin de connaissances. Et enfin, c'est le développement durable des activités maritimes. Donc tout ça est mélangé, on prend un gros shaker, on met tout ça ensemble et on a du coup établi un plan de gestion sur 15 ans, qui nous permet voilà, d'avoir cet organe de gestion. Un plan de gestion, qu'est-ce que c'est? Alors pour nous, en tout cas, le nôtre est sur 15 ans. C'est une liste de finalités. Là, j'en ai mis une qui est au regard de mes activités. Hein, c'est plutôt sur le trait de côte, hein, défense de la mer. Et des sous-finalités qui viennent un petit peu préciser ces finalités-là. Pour pouvoir essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne, comment évolue le parc, on a un tableau d'indicateurs un tableau de bord pardon, rempli d'indicateurs qui est finalement un outil d'évaluation. Il est hyper important pour nous parce que comme vous le voyez en bas à droite, c'est ce qui nous permet d'avoir notre plan action annuel. En se référant à ces indicateurs, ce tableau de bord, etc., c'est ce qui va nous permettre d'année en année de créer notre plan d'action. Très rapidement, tableau de bord, donc c'est un outil d'évaluation de l'état du milieu. Ici, vous pouvez voir qu'on a identifié des indicateurs. Donc, je vous ai mis quelques exemples d'indicateurs, hein, notamment donc celui-là, c'est l'évolution pardon, du trait de côte. Mais on peut voir également hydro-sédimentaire du littoral, par exemple. Voilà, donc ce sont des exemples comme ça. Et à chaque fois, on a un sous-niveau qui nous permet d'avoir des niveaux d'exigence sur ces indicateurs. Rapidement également, la gouvernance du parc, c'est un peu une spécificité d'un parc marin, c'est une gouvernance avec un conseil de gestion qui représente l'ensemble des usagers de la mer, pour lequel l'État est minoritaire, comme vous pouvez voir, il y a 5 représentants de l'État au sein du conseil de gestion. Donc c'est finalement, c'est un peu une délégation de gestion de l'État sur un territoire. Les élus sont également minoritaires au sein du conseil de gestion. Par contre, vous avez beaucoup de professionnels et d'associatifs qui sont présents. Donc les élus au conseil de gestion sont élus, du coup, sont désignés pour 5 ans. Il y a 60 membres dans le conseil de gestion. Les 5 principales actions du conseil de gestion, je ne les ai pas forcément mises dans l'ordre, mais par contre, elles ont toute leur importance. La première, c'était de voter le plan de gestion, qui sera reconduit au bout des 15 ans. Ensuite, c'est le fameux programme d'action annuel dont je parlais il y a quelques secondes. Il y a également une action qui est importante, qui est reconduite tous les ans, c'est le vote des modalités pardon, d'attribution des subventions, parce qu'effectivement, le conseil de gestion a vocation à donner des subventions à travers un appel à projet. Ensuite, il est aussi en capacité de pouvoir proposer des mesures de gestion. Et enfin, dernier et pas des moindres, la capacité à pouvoir donner des avis simples ou conformes. Donc ça, c'est bien le conseil de gestion, les membres élus qui donnent cet avis, bien sûr éclairé de l'avis technique du parc qui aura analysé les dossiers en amont. On va rentrer un peu dans le cœur du sujet qui vous intéresse aujourd'hui, qui m'intéresse moi aussi particulièrement parce que c'est finalement mon travail, c'est la démarche Ambition Littorale. Donc cette démarche, comme l'a précisé Elisabeth tout à l'heure, ça a été amorcé par un séminaire Érosion, climat, quel littoral pour demain, pour lequel il y a eu une suite que je vais vous présenter très rapidement. Contexte, alors je ne vais pas m'étendre dessus parce que finalement Alexandre en a parlé juste avant, c'est la mission Racine finalement qui est un petit peu à la genèse de tout ça. Pourquoi? Parce que les problèmes d'érosion aujourd'hui qu'on connaît sur notre littoral sont principalement liés aux travaux d'aménagement de la mission Racine. Donc je ne m'étendrai pas dessus, l'essentiel vient d'être présenté. Par contre, ce que vous pouvez voir là, ce sont deux images d'évolution de notre littoral à quelques 60 ans de différence.
Les conséquences de la mission Racine, elles sont principalement liées aux aléas qu'on peut rencontrer, donc les aléas climatiques qu'on rencontre, donc les tempêtes et la houle qui est générée notamment par ces tempêtes, pardon, et concomitamment aux enjeux qu'on peut trouver sur les littorales, donc principalement des activités humaines. Voilà, donc sans rentrer non plus plus que ça dans le détail, c'est ce que nous allons regarder. En fait, c'est quand on parle aujourd'hui de problématiques sur le littoral, c'est au regard des risques, les risques côtiers. Donc les risques côtiers, c'est le risque de submersion et l'érosion du littoral. Ce que je voulais vous présenter juste après, ce sont les principales menaces sur les milieux littoraux. On va rester sur le littoral, je ne rentre pas du tout dans les terres, Alexandre l'a très bien fait tout à l'heure. Aujourd'hui, on a des gros manques sédimentaires, des grosses carences sédimentaires qui sont liées notamment aux barrages. Ça vous a été présenté juste avant. Là, on va vraiment rester uniquement sur le littoral. Donc, les principales menaces qu'on peut rencontrer sur notre littoral, c'est d'abord le piétinement des dunes. Les dunes, elles ont un vrai rôle, une vraie barrière contre le risque de submersion. J'ai le téléphone qui s'est éteint, voilà. Contre le risque de submersion. Alors, on n'a pas des dunes qui sont très marquées, hein, contrairement à l'Atlantique, avec des altimétries qui sont assez élevées. Nous, on a des dunes qui font 2-3 mètres de hauteur. C'est vraiment lié à notre régime de vent, notre régime éolien. En fait, la tramontane, qui est quand même très fréquente chez nous, vient rabattre le sable qui pourrait éventuellement se déposer et donc empêcher le développement en altitude de nos dunes. Par contre, la végétation qui est à l'intérieur, elle, est primordiale parce qu'elle vient fixer le sable. Et malgré tout, ces petites monticules, cette petite hauteur de dune permet de protéger ce qui est en arrière des risques de submersion. Donc le premier problème, c'est le piétinement. Vous pouvez voir là, sur cette photo, on est sur une dune canalisée. Donc il y a des ganivelles qui demandent aux gens, qui empêchent les gens de passer à travers, enfin sur les côtés, pardon, et de bien canaliser les gens à travers ces ganivelles. Et malgré tout, il y a un creusement qui se fait par le piétinement. Donc c'est assez marqué. Allez sur le terrain, vous le regarderez la prochaine fois que vous irez sur une plage avec des ganivelles. Vous verrez vraiment, on a la dune, on a le piétinement des gens et à nouveau la dune. C'est très visuel. Le deuxième, c'est les pratiques de nettoyage de plage, la mécanisation. Donc effectivement, c'est une pratique qui est très développée pour avoir des plages propres, pour accueillir les touristes. La fameuse surfréquentation dont parlait Alexandre tout à l'heure. Mais ça a un coût. Ça a un coût en termes d'érosion et ça a un coût en termes de biodiversité. Cette mécanisation des plages. Le troisième point, c'est l'urbanisation importante. Donc on rejoint un petit peu les enjeux dont on parlait tout à l'heure. Et enfin, ce sont les déchets. Donc là, volontairement, je vous ai mis cette photo parce qu'on pourrait croire qu'il n'y a que des déchets. Or non, il n'y a qu'un seul déchet au milieu de cette photo. Le reste est naturel, donc on ne parle pas de déchets. Donc c'est bien le pneu uniquement qui est un déchet. Il a été apporté par la tempête, mais le reste est 100% naturel. Ce sont des cannes de Provence et des morceaux de bois qui ont été déposés en même temps que le pneu. Enfin, un des principaux problèmes qu'on peut rencontrer sur notre littoral et qui est une des fortes conséquences de la mission Racine, ce sont les ouvrages qui ont été mis, qui soient parallèles à la plage ou qui soient perpendiculaires à la plage. Mais ces ouvrages ont un véritable rôle sur l'érosion du littoral. Donc ceci étant un petit peu recontextualisé, on va pouvoir entrer dans la définition et dans le rôle de la démarche Ambition Littorale, donc qui fait suite à ce séminaire dont on a parlé déjà deux fois, donc Érosion, climat et littoral pour demain, qui a eu lieu en mars 2018, à laquelle, au vu des différentes questions, des différentes observations, des différentes recommandations qu'on a pu avoir pendant ce séminaire, on a décidé de penser plutôt une feuille de route pour les trois prochaines années, avec des différentes actions. Donc là, en l'occurrence, 5 ateliers participatifs qui ont été pensés. Et donc, on a appelé tout simplement la démarche Ambition Littorale. Hein. C'est une organisation donc, qui est menée par le parc. C'est le parc qui porte la démarche, qui l'organise. Mais on est secondé par l'Observatoire de la Côte Sableuse Catalane, l'OPSCAT, et par un comité de pilotage qui est assez conséquent et assez diversifié aussi dans sa constitution, avec des établissements publics, des collectivités territoriales, les services de l'État, des universités et des associations, notamment. Je vais vous le présenter juste après. Les objectifs, comme je l'ai déjà dit, en fait, finalement, c'est créer une communauté de littoralistes, donc de personnes, une communauté qui sait parler le littoral et qui comprend le littoral, et enfin, de responsabiliser les acteurs face au changement climatique et aux risques littoraux. Vaste programme.
Voilà. Donc le séminaire de lancement, si jamais ça vous intéresse, tout est sur le site du parc marin. Donc vous pouvez aller voir, vous avez l'adresse là-haut, parc marin, voilà, tiré machin. Et séminaire érosion, climat, vous pourrez retrouver du coup les petites vidéos qui ont été faites, les actes de séminaire, enfin voilà, tous les documents qui ont été produits pendant ce séminaire. La feuille de route, elle est également disponible sur le site du parc. Pareil, vous pouvez la retrouver très facilement en tapant érosion, climat dans le moteur de recherche du site du parc marin. Et vous aurez les 4 pages de la feuille de route qui décrit vraiment les ateliers, le pourquoi cette feuille de route, les ateliers et tout ce qui en a attendu. Donc je parlais d'un communauté de pilotage qui était assez important, assez conséquent. Donc bien sûr le parc marin, bien évidemment, l'OBSCAT dont je parlais tout à l'heure. Donc le parc marin, c'est également l'OFB. On est accompagné. Ah, ça marche plus. J'ai un problème de. Voilà. C'est bon. Donc on est accompagné également par la DREAL, la DDTM 66, le département des Pyrénées-Orientales et la région Occitanie dans cette réflexion. Et en termes d'expertise, on va s'appuyer sur le BRGM, l'Agence d'urbanisme catalane, l'EID, donc le pôle littoral de l'EID Méditerranée, l'Université de Perpignan et plus spécifiquement et, le CEFREM, mais pas que, le Conservatoire littoral, le CEREMA. Et enfin, en termes d'association, on a 2 EEDD, donc éducation à l'environnement et développement durable, le Grain Occitanie et l'association Label Bleu qui sera présente samedi matin. Très rapidement, un petit chronogramme là, qui vous présente un petit peu l'évolution de la démarche, donc amorcée en 2018 par le séminaire. Et vous avez la temporalité des 5 ateliers, avec une bonne année et demie perdue en 2020, début 2021, avec le Covid-19 qui nous a un petit peu ralenti. On est sur des ateliers participatifs, donc c'était assez compliqué de changer le format. Et donc on a préféré patienter pendant cette année un petit peu compliquée. Vous pouvez également retrouver l'ensemble des documents produits durant les ateliers sur le site du parc. Pardon. Rapidement, je voulais vous présenter cette carte-là. Donc, c'est une photographie d'un seul des ateliers, mais c'est assez intéressant. Au départ, la démarche, on la voulait vraiment ciblée et centrée sur le parc. Au final, on s'aperçoit que c'est un besoin qui n'est pas que territorial, mais qui est vraiment finalement national, ce problème d'érosion, ce problème de risque côtier, ce problème de changement climatique. Finalement, donc on s'est fait un petit peu déborder. Et on s'aperçoit que, alors effectivement, il y a une cinquantaine de personnes qui viennent des PO, mais on a une représentation sur cet atelier spécifique, on a une représentation comme nationale. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a eu plus de 60 participants à chaque atelier. On n'avait pas toujours les mêmes. Donc, en termes de personnes unitaires, on est sur un chiffre qui, moi, me semble intéressant. On est aux alentours de 150 personnes unitaires qui ont participé aux ateliers. Et voilà, je vous ai mis la liste là, si vous voulez prendre 30 secondes pour les lire, mais des personnes qui sont présentes lors de ces ateliers. Donc, le seul point que vous avez pu certainement déjà remarquer, c'est qu'il n'y a pas de grand public. C'est vraiment ciblé sur les élus, les services de l'État, les experts, les gestionnaires, mais c'est vrai qu'on n'a pas ouvert au grand public. Il y a plusieurs vidéos qui ont été réalisées dans le cadre de ces ateliers. Donc, ce sont des vidéos qui reprennent la journée d'atelier, qui vient la condenser en 10 minutes. Donc, c'est très court, mais il y a l'essentiel de l'information qui est repris dedans. Juste, je vais m'arrêter 2 secondes sur le monsieur qui est dans un écran d'ordinateur au milieu, sur la colonne de droite. C'est le maire de Quiberville qui ne pouvait pas se déplacer, donc qui est intervenu en visioconférence. Mais c'était intéressant car c'était un cas de relocalisation d'un camping sur un petit village sur Quiberville. Et voilà, il nous a fait l'honneur de venir témoigner d'abord de son évolution de perception par rapport à sa commune, et puis ensuite des travaux qu'il a engagés et des financements qu'il a trouvés, parce que ça reste le nerf de la guerre, mais des financements qu'il a réussi à trouver et à dégager pour son projet de déplacement de camping. Voilà, je vous mets une petite illustration également. Là, c'est simplement les comptes rendus des ateliers. Donc, il y a eu des comptes rendus vidéo, mais il y a également eu des comptes rendus écrits qui ont été réalisés de chaque atelier. Donc, tout est disponible également sur le site du parc. On essaie de faire synthétique. C'est 4 pages avec des illustrations. Ça se lit relativement facilement. Et, pardon. Et donc, voilà, n'hésitez pas à aller prendre connaissance de ces documents. Voilà, là, c'est juste un petit peu une illustration de la page qui vient synthétiser tout ça. Donc, vous voyez sur la page, il y a un petit descriptif de l'atelier. Les fascicules, j'en ai pas encore parlé. La petite vidéo. Et en bas, à droite, là, le petit bandeau
le lien pour télécharger le compte-rendu. Je vais volontairement très vite parce que vous avez tout disponible sur le site du parc. Donc c'est vraiment une présentation rapide de ça parce qu'il y a des choses plus intéressantes qui arrivent. Bon, je parlais de l'atelier connaissance. Sur chaque atelier, on a décidé de faire un petit support qui a été donné aux participants de l'atelier, au début des ateliers. Parce que ce qu'on voulait, c'était constituer cette communauté littoraliste, qu'on ait un vocable identique, qu'on ait une compréhension des phénomènes communes. Et donc, on a voulu à chaque fois distribuer des documents. Donc là, en l'occurrence, pour l'atelier connaissance, par exemple, il y a une dizaine de fiches qui ont été créées, qui viennent synthétiser une dizaine de points importants, donc sur le fonctionnement du littoral, sur, ici, je vous ai mis les techniques de protection du littoral, par exemple. Voilà. Donc il y a une dizaine de fiches. On a voulu que ça tienne dans une feuille A3, chacune des fiches synthétiques. Une fois de plus, tout est disponible également. Sur l'atelier numéro 2, qui était plutôt sur la sensibilisation, sur celui-là, on a fait un recensement national de tout... On a voulu faire un recueil national, pardon, des ouvrages de sensibilisation et des techniques de sensibilisation qui pouvaient exister à l'échelle nationale, pardon. Donc il y a une soixantaine de références qui ont été intégrées dans le livre. Et l'étape suivante, un livre, un PDF, c'est bien, mais ça ne vit pas. Donc l'étape suivante, ça a été de tout numériser pour le mettre sur une plateforme Internet. Donc, vous avez l'adresse, je crois, là-haut. C'est ambitionlittoral.fr, tout simplement, sur lequel vous avez l'ensemble des outils de sensibilisation aux risques côtiers qui existent à l'échelle nationale. Et sur la droite, là, vous voyez, vous pouvez filtrer soit par thématique, soit par public cible. Voilà, vous avez plusieurs possibilités pour pouvoir filtrer et donc sélectionner l'outil qui vous semble le plus opportun pour votre opération. Les outils de sensibilisation, il y en a eu plein de créés pendant cette démarche en mission littorale. On a vraiment fait des tests et on en a créé aussi des nouveaux. Là, ce qu'on a voulu faire, c'est une flèche du temps, parce qu'on s'est aperçu que les gens oublient très vite. En fait, quand il y a une tempête, quand il y a une inondation, une submersion, on s'en souvient, mais finalement, on oublie aussi très vite. On a voulu créer cette flèche du temps, d'abord sur un format poster. En fait, elle a été faite même en trois temps, c'est-à-dire en premier temps en atelier. On avait une grande table, énorme table avec plein de post-it, puis les gens sont venus coller leurs post-it de ce qu'ils se souvenaient. Ensuite, on a complété ce recensement par un stagiaire que j'ai encadré, qui est allé rechercher un petit peu dans l'historique les différents événements qu'il y a pu y avoir. Et ensuite, on l'a transformé en version 2.0. Je suis assez geek sur les bords, donc j'aime bien tout ce qui est un petit peu informatique. Et donc, on l'a mis en version en ligne, avec une frise du temps en ligne, sur laquelle vous avez en bas, j'ai un pointeur, ouais. Vous pouvez choisir, par exemple, des dates. Et voilà, vous cliquez dessus, ça va vous afficher une image. Un lien pour aller voir des informations complémentaires ou supplémentaires, et puis un petit descriptif de l'événement. Également, vous avez une carte pour localiser géographiquement le site de l'événement. Les deux derniers ateliers, très rapidement, donc un sur la plutôt gouvernance, donc un qui était vraiment en lien avec repenser et aménagement du littoral d'Occitanie face au changement climatique. Alors celui-là, on a été plutôt co-organisateur, c'est la région à travers le plan littoral 21 qui est le pilote, mais ça rentrait dans la démarche ambition littorale, donc on est resté au copilotage de cet atelier spécifique en mars 2021, c'était un des derniers. Et le dernier qui a eu lieu récemment, c'était plutôt sur les retours d'expérience et la prospective en milieu littoral. Parce qu'une fois qu'on connaît, une fois qu'on a les outils de sensibilisation, une fois qu'on a la gouvernance, une fois qu'on est passé dans le passé, bah, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut se projeter. Donc c'était un petit peu le thème du dernier atelier. Et puis on a proposé surtout, pour la première fois, une journée grand public, comme vous pouvez voir sur l'affiche présente, avec la possibilité pour le grand public, pour tout le monde, de venir tester tous les outils, les jeux, les serious games qu'on avait créés pendant cette démarche. Je vais vous en présenter là une paire. Le premier, c'est une immersion en réalité virtuelle. Donc, ce sont des casques, comme vous pouvez voir. Les personnes s'immergent dans un risque de submersion. Alors, vous allez rentrer, c'est un cheminement, hein, c'est un vrai cheminement, ce casque réalité virtuelle. Vous rentrez dans une salle de cellule de crise sur laquelle vous avez la possibilité de jouer avec deux curseurs sur le côté. Le premier qui est les risques, on peut pouvoir faire jouer les risques. Le deuxième, ce sont les ouvrages de défense existants, envisageables. Donc si on regarde d'un peu plus près, vous allez pouvoir, à l'aide des petites manettes dans votre casque, pouvoir jouer sur le niveau d'eau
sur le territoire. Donc c'est un territoire qui existe, hein, qui est sur le parc. On est allé faire une capture drone de ce territoire. Et donc, voilà, il y a un aménagement qui a été fait. Volontairement, il n'y a ni date, ni hauteur d'eau. C'est vraiment du pédagogique. C'est pour vous rendre compte de ce que ça peut donner. Voilà, il n'y a pas de rigueur scientifique dessus, volontairement. Une fois que vous avez joué un petit peu dessus, vous allez voir les résultats sur la table qui est centrale. Hein. Vous allez pouvoir voir les niveaux d'eau, vous allez pouvoir voir les ouvrages. Ils vont venir s'incrémenter sur cette table. Par contre, c'est bien d'avoir une table. Mais le mieux, ça reste encore d'aller dehors et de voir ce que ça donne. Donc avec votre petite lunette, là, vous allez vous retrouver sur une plateforme en hauteur. Et vous allez pouvoir jouer à nouveau, comme tout à l'heure, avec vos curseurs, sur le niveau d'eau et sur les ouvrages. Voilà, c'est... Toutes les personnes qui l'ont testé, alors je ne l'ai pas emmené parce qu'on n'avait pas forcément le temps, mais toutes les personnes qui l'ont testé ont pris une claque en se disant « Waouh !» Là, on se rend compte vraiment de ce que c'est l'élévation du niveau de la mer ou le risque de submersion. Voilà, c'est très parlant. Hop, je suis allé trop vite par rapport à mes flèches. L'évolution qui est en cours actuellement, on va redescendre un petit peu parce que là, on était en hauteur, c'est bien. Mais ça peut être sympa aussi d'aller voir ce qui se passe un peu plus bas. Donc, on sera quand même sur une plateforme. Hein, on ne va pas être les pieds dans l'eau quand même. On n'est pas fou, on ne va pas se noyer. On va être un tout petit peu en hauteur, mais on va avoir cette vision un peu plus basse, un peu plus ras du sol, ce qui va nous permettre d'avoir des informations aussi assez intéressantes sur les brèches, par exemple. Je vous parlais tout à l'heure des piétinements et des brèches qui se creusaient dans la dune. Ben là, on va pouvoir le voir grâce à ces lunettes-là. Voilà, la livraison est en cours, enfin, l'exécution est en cours, on devrait être livré pour octobre 2023. Il y a une dernière étape dans cette salle, quand on rentre à l'intérieur, ou avant de sortir, comme vous voulez, on a une salle de projection, une petite salle de cinéma. On s'est dit que c'était bien aussi que le grand public allait chausser ses casques et des informations. Donc on a fait créer, par nos experts, 4 petites vidéos de 3 minutes chacune sur le fonctionnement du littoral. Voilà, ces 4 vidéos, elles sont là. Vous pouvez les retrouver sur YouTube hein, directement, il n'y a pas besoin de chausser le casque. Par contre, les gens qui s'équipent et qui n'auraient pas eu le temps avant ont cette possibilité éventuellement à l'intérieur de la salle de projection. Je vous laisse 2 secondes pour regarder les 4 titres, mais vous pouvez tout retrouver sur le site YouTube du parc. Je précise YouTube, du coup. Voilà. Un autre outil qu'on a fait créer pendant la démarche en mission littorale. Donc là, c'est à travers un appel à projet, d'ailleurs. C'est un comparateur d'images. Donc vous avez plusieurs étapes. Là. Ça peut être un parcours, même si vous voulez. Vous pouvez partir de Banyuls pour arriver jusqu'au Barcarès, voire le 4, même, je ne sais plus. Oui, je crois qu'on s'arrête à le 4. Et vous avez possibilité de passer de point en point et d'aller voir, en cliquant sur n'importe lequel ou en partant du début, d'aller voir un petit peu comment c'était avant et comment c'est maintenant. Alors, pour ceux qui connaissent, c'est le même principe que remonter le temps. À la différence, c'est qu'on n'est pas en hauteur, on n'est pas dans les nuages, on n'est pas on n'a pas une vision satellitaire, on est les pieds dans le sable. C'est-à-dire que la personne qui nous a construit ce petit comparateur d'images, il a pris des cartes postales ou des photos anciennes et il s'est dit « je veux pouvoir refaire le même point de vue ». Voilà, donc c'est vraiment ce qu'aujourd'hui, on peut voir. Vous pouvez vous balader sur le littoral, vous pouvez retrouver ce point de vue-là et vous pouvez même le retrouver en prenant votre téléphone, votre smartphone et en pouvant comparer en direct parce que finalement, ce point de vue est complètement réalisable par vous-même aussi. Donc c'est vachement instructif. De prendre là ce petit curseur qui est au milieu, de le faire bouger à droite ou à gauche et de voir comment est-ce que ça a évolué en une cinquantaine d'années. Le dernier qui est en cours de réalisation aujourd'hui, je vous parlais tout à l'heure du casque à réalité virtuelle pour avoir des informations sur la submersion et le risque de submersion et d'inondation. Alors ça, c'est bien, mais c'est pédagogique uniquement. Donc là, ce qu'on a voulu, c'est d'avoir la même chose, mais d'un point de vue scientifique. Donc là, vous allez avoir la possibilité de pouvoir jouer. C'est un outil de simulation du risque, des risques côtiers qui existe aujourd'hui en Atlantique. Donc on a travaillé avec le CNRS sur ce projet-là, l'Université de La Rochelle. Et on a voulu un module complémentaire qui intègre la dérive sédimentaire parce que ça n'existait pas. Et nos territoires sont quand même assez soumis à ça. On voulait pouvoir l'adapter à notre territoire. Et surtout, ce qu'on voulait aussi, c'est le deuxième module, hein, c'est d'adapter l'outil pour le grand public. Aujourd'hui, c'est un vrai outil de simulation, c'est-à-dire qu'il a une journée de calcul. Si jamais un élu a envie de le prendre avant de fabriquer ou avant d'aménager son littoral, ou s'il a envie, lors d'une réunion publique, de le présenter à ses citoyens, aujourd'hui, il ne peut pas. Donc on a demandé à dégrader un petit peu le résultat, de façon à ce qu'il y ait une capacité de calcul qui soit plutôt de l'ordre du quart d'heure maximum pour pouvoir l'utiliser sur des réunions publiques.
Ambition littorale, c'est malheureusement pas que des choses rigolotes, c'est aussi des études. Et ça, c'est peut-être un peu moins funky, mais ça reste important quand même. Donc on a fait porter trois études par des partenaires. La première, c'était l'actualisation de connaissances sur l'érosion de la côte Vermeille entre 1942 et 2019. Donc l'ensemble des plages de poche de la côte Vermeille, et le tout par imagerie satellitaire. Ça nous semblait intéressant au vu de l'évolution de la capacité pour traiter les images satellites, de se dire, bah, voilà, on peut remonter dans le temps justement et voir un peu comment est-ce que les plages de poche, donc les petites criques sur la côte rocheuse, comment est-ce que ces plages ont évolué dans le temps depuis 1942. Donc on a fait porter cette étude-là par l'EID. Ensuite, une deuxième, et là, c'est pour nous, c'est hyper important, parce que tout à l'heure, je vous disais, on ne peut pas gérer ce qu'on ne connaît pas, mais la perception des gens, pour nous, elle est essentielle aussi pour pouvoir avancer dans nos activités. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas travailler sur un axe qui, moi, me semble important, si le grand public ou si les élus, finalement, ça ne les interpelle pas. Donc, on essaye de trouver un point commun. Et pour ce faire, on fait des enquêtes, on mène des enquêtes de perception. Donc là, la première, ici, là, c'est sur les risques littoraux sur la côte Vermeille. Ça nous semblait essentiel, avant de continuer de travailler sur cette problématique-là, de voir comment est-ce que les gens percevaient les risques côtiers, donc submersion et érosion, sur les plages de poche de la côte Vermeille. On est allé un peu plus loin parce qu'on n'est pas, on est allé aussi à l'E4 en fait. Et la troisième étude, qui est la dernière là-bas, qui est en cours également, la livraison est prévue pour juillet-septembre, le mois d'août étant mort, c'est juillet ou septembre. C'est une étude prospective sur l'évolution du littoral des plages de la côte rocheuse à l'horizon 2050. Donc c'est à travers un travail sur l'outil satellitaire également, ça reprend en fait le travail qui a été amorcé sur la première étude, complété des derniers levées satellitaires. Et l'idée, c'est pour chaque plage de poche d'essayer de voir comment est-ce qu'à 2050, le trait de côte va évoluer. Petite parenthèse, mais à savoir qu'on s'est concentré sur la côte rocheuse parce que notre partenaire OBSCAT le fait, d'ailleurs on les aide financièrement, mais le fait sur la côte sableuse. On vient compléter un petit peu. Un point qui pour moi est important, mais voilà, on fait aussi des suivis de l'est de mer et de visuelle érosion pour chaque tempête depuis une paire d'années maintenant. Donc voilà, on a cette carte un petit peu des points observés. Et puis après, y a toute la valorisation. Donc je vous disais que tout était sur le site internet. Alors oui et non, en fait, il y a un autre site internet qui est dédié à la démarche, ambition-littoral.fr, qui se transforme en gare centrale. Donc une gare centrale, la définition est relativement simple, c'est là où on peut tout trouver, que ce soit les informations, les suivis, les études, les contacts, une cartographie, etc. Donc ça, c'est vraiment l'endroit où vous pourrez tout retrouver. On est en train de réfléchir à la hiérarchisation la mieux possible. Et puis ça va être complété d'un LMS. Alors un LMS, je crois que je l'ai juste après, voilà. C'est une plateforme de formation ou d'information en ligne dans laquelle vous allez pouvoir retrouver tout ce qui aura été présenté lors des différents ateliers. On a tout repris, on a tout retravaillé, on l'a tout adapté de façon pour le mettre en ligne. Et donc, vous avez du coup la possibilité de pouvoir suivre des parcours de formation ou d'information dans lesquels il y a des modules et des activités. Donc voilà, pour toutes les personnes qui n'ont pas assisté aux ateliers ou pour tous les étudiants qui veulent un petit peu se former ou comprendre un peu mieux le fonctionnement, pour tous les nouveaux techniciens qui arrivent dans des EPCI par exemple, ça semblait intéressant. Donc voilà, on a travaillé ce format-là. Donc là, je vous mets un petit peu la pieuvre du LMS. C'est assez dense. Hein. Il y a plusieurs modules et de nombreuses activités. Ce qui va être intéressant, voilà, c'est celle-là de diapo. La plateforme, il y a du texte, bien sûr, mais pas que, parce que c'est quand même un peu rébarbatif d'avoir que du texte. Donc on a aussi des podcasts. C'est-à-dire que tous les ateliers ont été enregistrés. Donc on a repris les moments les plus importants, on a fait du tri, on a coupé et on vous a sorti l'essentiel. Bien évidemment, il y a aussi tout ce qui est photo, cartographie, etc. Des posters, parce qu'il y a eu beaucoup de posters produits qui viennent synthétiser un petit peu l'information. Et puis, bien évidemment, les vidéos. Donc, j'en parlais tout à l'heure, celles qui sont dans le casque, on les a également intégrées ici. Voilà. Et le dernier point que je voulais voir avec vous, que je voulais vous présenter, c'est DynaTC. Alors, DynaTC, c'est un nom barbare pour dire dynamique du trait de côte. Et notamment, à l'intérieur de ça, on a une problématique qui est sur la pratique du nettoyage des plages.
Ouais, parce que la pratique de nettoyage de plage, donc je parlais tout à l'heure de risque sur le littoral, c'est assez essentiel sur la biodiversité, sur le risque d'érosion. Aujourd'hui, avec l'augmentation de la potentialité, de l'intensité et du nombre de tempêtes liées au changement climatique, ça va être essentiel de regarder un petit peu les facteurs sur lesquels on peut jouer, les leviers qu'on a aujourd'hui pour essayer de freiner, de ralentir ce problème d'érosion. Qui pourrait être accentué à chaque tempête avec potentiellement une quantité de sable qui pourrait être enlevée fréquemment. Donc voilà, donc après tout l'ajustement qui peut être plus ou moins complexe. Donc pareil, deux études qui ont été menées par le parc. Donc la première, c'est une mise à jour du recensement des pratiques de nettoyage de plage dans le parc. On avait un état zéro qui avait été fait en 2011 et on a voulu le refaire en 2021, au bout de 10 ans. Voir un petit peu comment ça avait évolué. Et le deuxième point, c'est toujours pareil. Je vous parlais des enquêtes de perception. C'est-à-dire qu'avant de poursuivre ça, je me dis, si jamais tout le monde est au courant qu'effectivement, mettre une machine sur le sable pour nettoyer, bah oui, ça a un problème sur l'érosion, bah oui, c'est un problème sur la biodiversité, bah oui, il faut arrêter. Dans ce cas-là, ça ne sert à rien qu'on continue à travailler dessus. Par contre, à l'inverse, si jamais j'ai un nombre de personnes qui est plutôt sous-informé dessus, ça vaut le coup de faire un effort et donc de faire l'essentiel et puis de continuer à œuvrer dessus. Donc on a fait une enquête de perception sur les pratiques de nettoyage de plage et leurs effets. Il y a eu 2, 4, il y a 6 sites qui ont été suivis, 6 plages, vous avez la liste des plages là à côté. Et on a eu 400 enquêtes l'été dernier et j'ai un service civique cette année qui reconduit l'opération. On a envie de muscler, de densifier un petit peu ça pour être sûr que les résultats qu'on a soient cohérents et que d'une année sur l'autre, par exemple, on n'ait pas une évolution déjà. Et puis surtout, ouais, avoir un nombre d'enquêtés qui soit suffisamment robuste pour qu'on puisse arriver à tirer des vraies conclusions. Là, c'est uniquement visuel. Vous pouvez voir l'évolution des pratiques de nettoyage de plage. Cette carte, elle n'est pas forcément importante, mais simplement, voilà, c'était pour vous montrer comment est-ce qu'on travaille aussi dessus. C'est-à-dire qu'on travaille aussi avec le visuel. Une carte, une photographie, ça va vite. Ça permet de voir l'évolution. Après, effectivement, un tableau, c'est quand même plus parlant. Et donc là, vous pouvez voir, c'est exactement la même chose, sauf qu'il y en a un qui était mis en carte, l'autre en tableau. Et effectivement, je pense qu'on arrive un peu mieux à tirer des conclusions à partir de ce tableau-là. Je ne vais pas du tout le détailler, hein, il n'y a pas d'intérêt, mais ce que vous pouvez voir, c'est quand même très facilement en un coup d'œil, c'est qu'il y a une évolution. Voilà, avec des communes qui commencent plus tardivement les pratiques de nettoyage, et surtout une homogénéisation sur les communes sur la totalité des saisons. C'est pas intéressant, enfin c'est pas intéressant, si c'est intéressant, mais ce n'est pas le cœur du sujet, donc je passe vite dessus. Quelques résultats de l'enquête de perception qu'on a menée. On voulait voir si dans ce qui était proposé, dans les choix, s'il y avait beaucoup de réponses sur des produits naturels qui étaient plutôt déterminés comme des déchets. Et donc, quand je veux dire déchets, c'est-à-dire qu'il était intéressant pour les gens d'être enlevés. Donc, on s'aperçoit que oui, effectivement, coquillages, galets, algues, feuilles mortes de Posidonie, ce sont des éléments qui, pour les gens enquêtés, sont à enlever sur les plages parce que ça fait sale. Et bois flottés également. L'impact du nettoyage mécanique sur l'érosion, donc on voit qu'il y a quand même. Finalement, un gros pourcentage de personnes qui n'ont pas forcément cette notion-là, et pourtant. Et pareil sur la biodiversité. Donc voilà, il y a quand même c'est moins marqué que pour l'érosion, mais quand même, quoi. On a un petit quelque chose. Et enfin, ce qu'on voulait voir aussi avec eux, c'est comment faire pour arriver à faire changer les choses et à les faire évoluer dans leurs pratiques de nettoyage de plage. Ce qui ressort, c'est bien sûr mieux connaître les impacts sur l'érosion, parce qu'ils ne savent pas, donc effectivement, ils n'y ont pas pensé. Mieux connaître. L'impact sur la biodiversité, mieux connaître l'impact financier, nerf de la guerre, et proposer des outils de communication à destination des usagers. Donc ça, c'est ce qu'on a fait en créant des flyers qui viennent expliquer le fonctionnement du littoral et des plages, et notamment qui intègrent donc tout ça, la laisse de mer, le rôle de la laisse de mer, la biodiversité, etc. J'en ai quelques exemplaires dans le sac si jamais ça vous intéresse. Et sinon, c'est sur le site internet du parc. Et la dernière opération là qu'on est en train de mener, l'avant-dernière opération qu'on est en train de mener, qui me semble importante aussi dans ce cadre-là, c'est un plan raisonné des pratiques de nettoyage de plage. Donc c'est porté par la communauté de communes Albert Côte-Vermeille-Libéris. Nous, on les accompagne dedans. Juste voilà, deux petites slides qui me semblent essentielles, c'est que jusqu'à cette année, Argelès était intégralement nettoyé mécaniquement 7 jours par semaine. Ouais. Certes, c'est opportuniste, mais grâce aux échanges qu'on a pu avoir, grâce aux discussions, grâce à l'évolution de la compréhension, voilà, on pourrait mettre plein de grâce. Dès cette année,
les pratiques vont changer dès cette année, avec une seule plage qui va être nettoyée mécaniquement 7 jours sur 7, deux plages qui vont être nettoyées manuellement 7 jours sur 7, donc sont aux extrémités, c'est le Raku et la Marinda, et trois plages qui vont être nettoyées de façon mixte, c'est-à-dire que il y aura de la mécanisation sur la partie la plus centrale de la plage. Par contre, ils vont laisser un espace tampon avant la mer pour laisser tout ce qui est laisse de mer. Ils vont laisser un espace tampon en haut de plage pour tout ce qui va être végétation dunaire, pour être sûr de ne pas aller les attraper. Et ces espaces-là vont être nettoyés par des piqueurs, par des personnes. Voilà. Et la plage d'En a également évolué dans sa pratique de nettoyage de plage en réduisant de moitié les passages de machines. Donc c'est hyper important parce que dans le cadre vraiment de la lutte, je mets des gros guillemets, mais contre l'érosion, c'est le premier levier sur lequel on peut appuyer aujourd'hui, c'est d'éviter de déstabiliser le sable et les plages, et donc de démécaniser les plages. On accompagne la CCACVI cette année là-dessus, avec notamment l'enquête, je vous en parlais, distribution de flyers. La communauté de communes a créé ces flammes, que vous voyez là. Donc ça va être placé à l'endroit où le trait de côte a été projeté à 2050. On va mettre ces flammes là. Et donc ça va permettre d'engendrer une discussion avec les personnes pour leur dire, voilà, si on ne fait rien aujourd'hui, le trait de côte est projeté ici. Une des premières actions à faire, c'est de changer nos pratiques, nettoyage de plage. Et voilà. Et donc notre souhait, c'est quand même de poursuivre ça avec un plan raisonné à l'échelle de tout le parc et pas uniquement sur ces deux communes, ce qui est déjà un très bon début. Mais de le poursuivre sur l'ensemble du parc. Et la commune de Le Cat vient de rejoindre ce dispositif-là avec une plage également qui ne sera plus mécanisée cette année. Dernier point, j'ai pas eu le temps de travailler la slide, donc elle est brute, il y a beaucoup de texte, mais en gros, on lance un projet de 3 ans pour comprendre le fonctionnement des plages, donc en prenant bien évidemment la laisse de mer, le bois flotté, la végétation dunaire, le transport éolien, et toutes ces interactions que ça peut avoir ensemble, et notamment la colonisation de la laisse de mer, faune-flore. Pourquoi ? Parce que, comme je disais tout à l'heure, risque de submersion essentiel avec la dune, la végétation dunaire. La laisse de mer, c'est le premier point de fixation également. Et en plus, il y a un vrai rôle biologique à l'intérieur et écologique. Voilà, macro-déchets également qui vont être suivis à l'intérieur, donc suivi morphologique, biologique. Voilà, je ne rentre pas dans le détail, on est en train de déposer le projet, enfin, après 2 ans de réflexion. Il devrait être lancé en 2024 et on part pour 3 ans de suivi. Deux sites de prévu, un naturel et un anthropisé pour pouvoir comparer les deux. Dans les partenaires, pour l'instant, identifié le CEFREM, le GOR, le groupe ornithologique du Roussillon, la réserve du Mas-Larieux, l'OBSCAT notamment et certainement d'autres qui vont venir se greffer par la suite. Donc pour ces réalisations de suivi, mais également un volet valorisation. Ce qu'on veut, c'est que les résultats soient transposables, à la totalité du territoire du parc, certes, mais également d'Occitanie, voire du golfe du Lion, dessus. Et dernier point, et ça sera ma conclusion, on parlait de changement climatique et de naissance d'une communauté littoraliste. Donc moi, je note, depuis que j'ai commencé la démarche et depuis que je bosse au parc, dans l'autre sens, j'ai bossé au parc avant, mais... C'est une évolution des perceptions et des échanges. Quand aujourd'hui, on met un élu, un service de l'État, un expert, un gestionnaire dans une salle, bah maintenant, on voit qu'ils arrivent à discuter ensemble. Et ça, c'est une vraie, pour moi, c'est une vraie réussite. Et les élus n'ont plus la même perception de l'aménagement du littoral qu'il y a 5 ans. Poursuite des démarches, donc on souhaite orienter la démarche plus vers le conseil de gestion, se réorienter par rapport à ce qu'on avait prévu au départ. Faire du périmètre du parc une zone d'expérimentation, ça c'est dans le plan de gestion et voilà, on le redit régulièrement parce qu'il ne faut pas hésiter et ça me tient à cœur qu'on puisse expérimenter dans le parc de nouvelles techniques ou des nouveaux ouvrages ou autres. Renforcer le lien terre-mer, donc ça fait bien le lien avec la présentation juste avant justement, le lien terre-mer c'est essentiel, parce que finalement on est un peu l'exutoire de la terre, et renforcer le lien transfrontalier avec l'Espagne qui ont certainement des choses à nous apprendre ou des choses à apprendre de ce qu'on peut faire. Et dans les nouveaux projets, il faudra bien sûr qu'ils soient en appui avec la démarche et cette communauté qu'on a créée. Inclure le grand public, parce qu'on a commencé, mais voilà, il faut peut-être qu'on aille un peu plus fort encore dedans. Et puis la dernière étape qu'on envisage, c'est de voir comment faire pour avoir un observatoire du changement climatique en milieu marin. Nos collègues de Cap Corse l'ont déjà, et donc on essaie de voir comment pouvoir le transposer sur le parc marin du Golfe du Lion pour avoir un observatoire des parcs méditerranéens. Voilà.
Merci Grégory. Merci. Merci.